un sac de compression. Ah, ça marche bien quand même. Donc ça. Voilà. Voilà un duvet qui va comme ça dans le fond de sac. Voilà. C'est pas du super light, mais c'est pas mal. Deuxième nuit dans le Swing 900, et cette nuit vraiment j'ai eu très chaud. Pourtant on a eu du moins 5 dans la cabane. Au début de la nuit on avait mis le poêle, mais ça s'est arrêté vers les 8 heures, et finalement j'ai dû enlever le collant. Donc vraiment j'ai eu presque trop chaud cette nuit. Au début de nuit j'avais mis une polaire, je l'ai enlevée ensuite parce que j'avais trop chaud, et puis je l'ai remise sur le coup des, quand je me suis réveillé, sur le coup des 4 heures du matin. Voilà, et après avec cette petite polaire, c'est une toute petite polaire, hein, une polaire quechua là, toute petite polaire, vraiment après c'était nickel quoi. C'est un duvet qui est simple, les réglages sont simples, pour régler l'ouverture ça va très bien, il y a deux systèmes de deux tankas, la collerette est tout à fait suffisante. J'ai l'impression qu'en plus les réglages sont extensibles, donc si on veut passer un bras, on n'est pas obligé de les enlever, de les remettre. Alors pour trouver la différence avec le duvet doigt, bon, quand on est dedans, j'avoue que c'est très difficile, parce qu'il y a toujours du gonflant, de la douceur, du volume. Alors c'est peut-être un peu moins chaud, hein, pour un poids équivalent, c'est certainement un peu moins chaud. Moi je pense que c'est un duvet vraiment qui est, je ne vais pas dire polyvalent, parce que sur des températures positives, là faut vraiment l'ouvrir complètement. Mais pour tout ce qui est rando, hivernal, etc., moi j'ai toujours trouvé que c'était un duvet qui, bon, moins 4, moins 5, moins 6, moins 8, là ça va très bien, et après moins 10, évidemment, faut commencer à se couvrir, etc., il faut avoir de bonnes conditions d'isolation avec le sol. L'avantage de ce duvet, c'est qu'il n'est pas aussi cher que les duvets doigts, donc c'est quand même un rapport qualité-prix qui est pas mal, parce qu'il permet beaucoup de choses. Alors c'est certainement pas aussi technique, je dirais, que le Lafayette, hein, qui est plus léger, mais qui est certainement moins polyvalent, donc destiné plus à l'alpinisme pur et dur, aux expés. Et le Shocking Blue, qui lui, mais c'est un niveau de prix supérieur. Moi, ce qui m'a plu dans ce duvet, c'est que ça reste sur un niveau de prix quand même tout à fait correct, abordable par pas mal de gens.